Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas connu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la campagne de Warfare 1917. Alors, c'est le jeu que nous avons testé quand je vous parlais de la Première Guerre mondiale. Donc, allez, bonne vidéo. Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Bon, aujourd'hui, nous sommes sur Warfare 1917. J'ai décidé de faire un walk, un play, non. Bref quoi, j'ai décidé de faire toute la campagne avec vous. Donc on va choisir les British, hein, donc la triple entente. Donc commençons. Je vous ai rien expliqué pour le moment, mais vous devez connaître en ayant vu ma vidéo Launch Battle. Donc ça sera le premier niveau qu'on va faire. Voilà. Donc déjà. Wow, c'est vrai, mes troupes. Faut que j'ai les. Donc, l'objectif. Vous voyez le moral là, on est à 100%. Eux, ils sont à 80. À 71 maintenant. Donc, faut que leur moral soit à zéro. Ou bien que je franchisse cette ligne. Enfin, jusqu'à là, à peu près. Donc, il y a deux manières de gagner. Donc pour le moment, j'ai un moral à 100%. Donc leur moral est assez bas maintenant. Donc j'ai appuyé sur ce bouton dans les tranchées pour et j'ai appuyé sur ces trois trucs. Ça veut dire que je les faisais avancer. Donc là, ils avancent automatiquement. Et comme leur moral est à moins 3 là, j'ai gagné. Donc c'est parfait. Donc j'en ai tué 19 et je suis mort et j'ai... Ils m'en ont tué deux. J'ai déployé quatre équipes. Donc j'ai appuyé quatre fois sur les hommes là-bas. Bon, eux ils ont perdu tous les trucs. J'ai utilisé un tranché. Zéro support utilisé. J'ai gagné le mortier. La nouvelle unité. Enfin, assaut. Donc voilà. Donc c'est en cliquant sur les unités comme ça, et faut attendre qu'elles se rechargent après avoir cliqué. Là, c'est les soutiens. Donc voilà, je vous ai tout expliqué, je pense. Et plus c'est ça va à droite, plus c'est puissant. Donc là, je peux avoir que trois équipes sur les dans les tranchées. Donc, je vais attendre qu'ils viennent comme ça, je les tue en plombant leur morale. Ah non, je n'utilise pas celui-là puisque ça va me faire aller quelque part. Oh, c'est très utile. 62 morale. Attendez. Donc. Là, là, je me fais un peu tirer dessus. Enfin, voilà quoi. Donc là, je vais lancer la phase d'attaque mortier et que je vais tuer tout le monde avec ça. Tac. J'aurais dû lancer un peu plus tôt. Allez, je mets aussi celui-là. Normalement, je devrais gagner. Ouais, j'ai gagné. Voilà. Donc, j'ai tué 25. Bref, quoi, vous pouvez faire. Appuyez sur pause et puis regardez. Allez, j'ai débloqué le machine gun maintenant. Donc, allez, continuons sur cette lancée. Bon, pour le moment, c'est des niveaux que j'ai déjà fait avec vous. Donc, voilà. La spécificité des machine guns, c'est quand ils sont en tranchée, ben, ils tuent bien l'infanterie. Là, il y a le barbelé. Ce jeu n'est pas du tout complexe. Allez, je vais mettre les trois. Donc, j'ai commencé par ça, j'ai mis l'infanterie, puis maintenant, je mets les grenadiers.
Donc, ils ne veulent pas venir. Ouais, j'ai lancé des gens pour rien. Ah, eux aussi, ils ont lancé des gens. Pour le moment, j'ai le dessus. Ah non. Ah oui, j'ai le dessus. Bon, allez. Petit mortier. Comme ça, je mets tout le monde sur le front. Parce que... Quoi? Ah ouais, au moins, tuer des gens, quoi, mortier. Allez. C'est la barre blanche, hein, si jamais elle est le moral. On va en laisser quelques-uns dans les tranchées. Ah ouais, le machine gun, lui, les dégâts qu'il fait, hein. C'est un ouf, quoi. Allez. Ah. Pour le moment, ah, ils ont le dessus. Allez, est-ce que je suis prêt à lancer une attaque? Oui. Allez, attaque. Tac. Oh, ouais, c'est bon. Oh, faut faire attention parce que je crois que mon propre mortier tue mes hommes. Comme ça, j'ai gagné quand même. Oh ouais, j'ai gagné. Et là, en fait, la barre verte, c'est l'avancée jusqu'à où j'y vais. Ouais, bon, bref. Allez, on n'est jamais allé ici maintenant. Donc, voilà. Attendez. Ouais, c'est ça mes tranchées. Ah, oups, j'avais oublié d'appuyer. Ils sont bons contre l'infanterie. Donc, voilà. Ouais, c'est un jeu comme ça. Je sais pas quoi vous dire en fait. Allez, on va mettre les trois. En fait, à la fin, moi j'aime bien c'est défendre et puis pour voir des gens mourir comme ça, puisque en défendant c'est beaucoup plus facile. Donc, allez, après celui-là, je les lance tous. Dès qu'il arrive tout près là, je les lance et je lance le mortier. Bah, ça va prendre du temps à passer le barbelé, donc allez, lançons. Ah quoi? Ils ont décidé de... Non, j'ai gaspillé un mortier pour rien. Oh, en plus il va tuer mes propres troupes. Ça va être magnifique. Bon, eux, ils sont buggés. Quoi? Ah ouais, ils étaient buggés, ils étaient invincibles, ils ont tracé les mecs. Oh, j'ai gagné comme ça. J'ai des snipers maintenant. Devastating. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Allez, le dernier maintenant. Bah, ça fait déjà 10 minutes que je tourne. Allez. Donc, premier. Ouais, il y a trois tranchées maintenant. Donc ça va compliquer un peu la tâche. Plus du barbelé, mais ça on a l'habitude à la fin. Ah ouais, pas mal. Pas mal le sniper, je vais le laisser sous. Je vais mettre plein de snipers ici. Comme ça, ils s'amuseront. Et là, en fait, plus il y a de noir, ça veut dire que leur av ils avancent pas mal. Donc, qu'est-ce que je ferais?
Question A, j'avance. Question B. Le mec. Ah ouais, question B. J'attends que les autres. Non, même pas. Pas. Mortier. Eh, faut les viser, eux. Pas. Pas. Pas là. Le mec, comme il foire trop le mortier, en fait. Ah, voilà, au moins. Allez. Je vais laisser le petit sniper derrière. Ouh, les grenades. Ouh, ça fait de l'effet, ces grenades. Donc, je vais quand même laisser, à part les snipers, je vais quand même laisser des petites troupes par là. Faut pas que je reste trop longtemps dans cette tranchée, puisque il y a les mortiers qui vont m'attaquer. Ça fait des dégâts pour le moment. Ouais, j'en ai trois. Mortier d'abord pour un premier. Oh! Donc allez. C'est un manque d'organisation là, je pense. Bon, ils vont tous en attaque là maintenant. Parce que. Désorganisation. Va aussi. J'espère que c'est ok. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me fasse massacrer? Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ouais, les corps disparaissent. Puisque c'est quand même un mini-jeu seulement. C'est pas un jeu avec un gros budget, comme je le dis dans la vidéo. Enfin, ouais, la vidéo. Dans la première guerre mondiale. Ils vont tous avancer. Ah non, c'est mon moral qui est lourd. Oh, je vais le perdre, je vais le perdre, je vais le perdre. Bon, bah. Ouh. Ah non. Ça va être long là. Puisque je sais vraiment pas quoi ou comment faire. Ah, j'ai perdu. Bon bah on va quand même s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Allez, bye bye. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et puis de regarder mes deux autres vidéos et à la prochaine!